Hello, hello, bonjour. Je m'appelle Raïka, j'ai 26 ans, je suis gabonaise. Ça va faire 6 semaines maintenant que je suis au sein de LEI et je vous assure que le changement est palpable. Au début, je disais le changement est en cours, mais maintenant je dis le changement, il est palpable. Pourquoi je dis que le changement, il est palpable? Ben, simplement parce que lorsque je suis entrée à LEI, j'étais mal à l'intérieur de moi, ça n'allait pas à l'intérieur de moi. C'est vrai que je ne savais pas à quel point ça n'allait pas à l'intérieur de moi, mais au moins je savais que ça n'allait pas. Je savais que j'avais besoin d'aide. En rentrant à LEI, mes premières interventions, c'était des pleurs. À chaque fois que je parlais, je pleurais. J'étais triste parce que mon passé avait encore du poids sur mon présent. Parce que je ne savais pas qui j'étais. Parce que je ne savais pas comment gérer mes émotions. Et en rentrant à LEI, au fur et à mesure des exercices, au fur et à mesure des échanges, que ce soit avec l'équipe ou avec les autres élèves, que ce soit après les vidéos, j'ai commencé à me sentir bien. J'ai commencé à me sentir libre. J'ai commencé à être heureuse. Avant, je portais un masque. Je n'étais jamais vraie. On ne savait jamais réellement si ce que je dis c'est sincère ou pas. J'avais réussi à porter une carapace qui altérait ma personne, qui mentait. Je mentais sur qui j'étais. Je mentais sur mes émotions, sur mes sentiments. Et désormais, avec tout le travail qui a été fait à LEI, je suis vraie. Je suis profondément heureuse, je suis sincèrement heureuse. Pourtant, je ne suis pas la plus riche, je ne suis pas la plus belle, je ne suis pas la plus intelligente, mais juste parce que j'ai compris que Dieu m'aime comme je suis, avec le passé que j'ai eu, juste parce que j'ai compris que c'est à moi de prendre des décisions pour ma vie et non pas aux autres. Juste parce que j'ai compris que désormais, il m'appartenait à moi, uniquement à moi, de faire des choix, le choix d'être heureuse ou malheureuse. Et je me sens très bien, je me sens beaucoup mieux. Alors, toi qui hésites à rentrer à LEI, toi qui as beaucoup de doutes, toi qui as beaucoup d'appréhension, dépasse cela et pose ce premier acte, fais ce premier geste qui va t'entraîner vers la guérison, non seulement la guérison de ton âme, mais la guérison de ton corps, la guérison de ton esprit. LEI, c'est la maison du savoir. Mais la maison du savoir vraiment sous toutes ses formes, c'est savoir que Dieu nous aime, c'est savoir qu'on a le droit d'être heureuse, c'est savoir qu'on a le droit au bonheur, c'est savoir qu'on est des reines, qu'on est des princesses, qu'on a de la valeur aux yeux de Dieu, que Dieu est en permanence sur son trône et c'est savoir que tant que Dieu est sur son trône, tout va bien. Alors n'hésite plus et inscris-toi. Bye bye.